ils sont dégoûtés là. Là, on a demandé à deux personnes du public de se lever. Jeff Penacla, qui est notre invité hein, jusqu'à 23h, t'as bonsoir. Choisi bonsoir. Cyril de Calais. Oui. Bonsoir Cyril. Bonsoir à tous. Cyril, t'es t'as le t-shirt de Jeff, hashtag il est content. Ah. Tu connais depuis longtemps Jeff, t'es hein, depuis le début. Ouais. C'est toi qui tiens la page Facebook et tout. La team Troduc sur la Facebook. Facebook et tout. Quoi. Très bien. Et face à toi, Cyril, on a mis Mélanie. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Mélanie, tu viens d'où? T'as salut, quel âge? Salut. Moi, je suis de Pondin, j'ai 23 ans et je suis la sœur de Romain qui est en habitué qui vient souvent à la ça fait des années qu'il vient. Ah oui. Dans le 01. Exactement, Romain de Pondin. Voilà. On te connaît pas, on t'a jamais vu. Hein. Non, c'est mon début slash. Non, mais c'est. Okay. Ah enfin. Il n'y a pas de problème. Elle dit ça comme ça, normal. On va faire vite, sans pression. Maintenant, ça va être très simple ce qui va se passer. On va vous offrir chacun 100 euros, d'accord? C'est gagné. Bravo Mélanie. Julien Stagiaire, tu représentes Mélanie. Ok, avec plaisir, je suis et capitaine. Et Cyril de Calais, tu es représenté par Jeff. Bonsoir. Et Jean-Marc. Le grand match. Vous avez chacun une enveloppe devant vous. Vous marquez sur un papier poteau. Ouais. Si vous voulez partager, dans ce cas-là, vous repartez chacun avec 100 euros. C'est bien 100 euros. Si vous voulez escroquer l'autre, vous marquez escroc, vous repartez avec 500 euros et l'autre rien. Vous niquez l'adversaire. Ouais. Si jamais vous mettez tous les deux escrocs, vous perdez tout. C'est match nul du coup. Et vous repartez sans cadeau. Vous avez 30 secondes pour parler. En fait, ouais. En fait on choisit d'être un connard ou pas quoi. Exactement, oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais si l'autre est un connard, bah, l'autre il fait gagner un beau cadeau. Ouais, et toi, tout le monde sait que t'es un connard. Jeff et Julien Stagiaire, ouais. Vous avez 10 secondes pour parler chrono. Bah, nous, on va mettre poteau avec Mélanie. Elle est venue de loin, et franchement, un petit cadeau d'à 100 euros pour elle, c'est stylé. Donc, moi, je mettrai poteau. Je te le dis. Il y a des alors, témoins, donc ouais. Bah, tu fais ce que tu veux. Ouais, hein. Alors, ouais. Donc, toi, t'as envie de mettre poteau, moi, j'ai envie de mettre escroc. Et bah, du coup, tu me niques. Ouais. Ouais, on a clairement envie de te niquer. Hein. Comme vous voulez, les gars. Moi, non, on a bien discuté entre nous, avec Cyril, on a envie de te ken. Hein, Tu me la mets à l'envers, Cyril, il a besoin d'argent, il va se marier, tout ça, tu vois. Ok, comme tu veux. Vous marquez maintenant chacun d'entre vous, de manière cachée, quelque chose sur l'enveloppe. Vous marquez soit poteau, soit escroc. Vas-y rapidement, je viens stagiaire. On va aider Jeff à écrire aussi. Il faut pas que vous voyez. On va ouvrir les enveloppes et soit votre invité gagne 500 euros, soit 100 euros tous les deux, soit rien pour les deux aussi, ce qui est possible. Hier, les tuches ont décidé de se trahir. La maman Isabelle Nanty a trahi son fils Pierre Lottin, qui était notre invité aussi. Allez, ça y est, j'ai l'enveloppe. Le verdict. Vas-y, oh là là, la pression. Attention, on va mettre. Parce qu'ils ont dit escroc, c'est chaud quand même. Un roulement de tambour. C'est du bluff. Et on va regarder. C'est escroc. Attention, on verra. Cyril est représenté par Jeff Panaclock. Si vous venez d'arriver en direct sur Énergie, on joue au poteau escroc. Mélanie, elle est représentée par Julien Stagiaire. Ouais, c'est tu ça. Tu fais quoi dans la vie, Mélanie? Moi, je suis serveuse. Très bien. Et toi, Cyril? Grutier portuaire. Grutier. Ah, salut à tout le monde. À Calais, c'est ça, tu viens. Tout à fait. J'ouvre l'enveloppe. Quel rapport? J'ouvre l'enveloppe de. Grutier portuaire. Ah, salut à tout le monde. Mélanie, représentée par Julien Stagiaire, je viens de voir le mot pour terminer cette émission avec Jeff Panaclock. Cyril, j'ouvre aussi ton enveloppe. Oh, le suspense. Avec Jeff Panaclock. Et je vais regarder le mot que vous avez décidé de mettre. J'espère pas. Ami Poto. C'est magnifique ce qui vient de se passer. Sérieux? Je dis tout le temps ça. Non, bah oui, parce que tout le temps je trouve ça magnifique. Ouais. Non, mais t'as fait du show, t'as pas mis trop quand même. Quelque chose de si génial. Prends-nous pour des cons. Et pour terminer cette émission, il a mis poteau. Je vais vous dire ce qu'il y a eu. Mélanie, je suis désolé s'il a mis escroc. C'est pas grave, je te casserai la gueule après l'émission. Attention. Après, je t'inviterai moi. C'est énorme, c'est énorme. Non, mais vous allez voir, c'est énorme. Attendez avant d'avoir la réflexion. Est-ce qu'il y a bagarre ou pas? Cyril de Calais, dans le public, représenté par Jeff Panaclock. On dit poteau, Mélanie et Julien Stagiaire, on dit escroc. Et il gagne 500 euros. Bravo. Bravo à toi, bravo. Ah, c'est le jeu, c'est le jeu. Je garde mon intégrité. Exactement. Je suis un gentil. Désolé. Là, il y a pas de soucis. Là, pas du gain, sans doute. En tout cas, on va applaudir très fort Jeff Panaclock qui était notre invité. Mais attends, parce que moi je veux un lot de consolation quand même, parce que Cyril il me suit depuis très longtemps, donc évidemment je vais l'inviter à venir encore revoir le spectacle. Ah bravo. À Paris, puisque t'as pas vu le spectacle à Paris, donc si tu arrives à te libérer, évidemment je t'invite, et puis tu pourras te servir aussi à l'entrée pour prendre des peluches et ce que tu veux pour les enfants. Ah, bon, merci. Bravo. Voilà. Ils sont dégoûtés là.